regarde tous ici. Je vous regarde. Sauf à déranger un grand verre de bois, une femme de la maison. Vous craignez de la police, vous êtes? Recherché, t'es bien? Des recherchés. Il y en a plus d'un. Plus d'un, sûr. J'ai juste levé ma bêche. Et j'ai laissé tomber le bord sur le sommet de son crâne. C'est juste en faisant comme ça que j'ai tué mon pauvre père mardi dans 8. C'était donc tuer votre père? Christy. Vous serez en paix. Ici. Personne sur votre dos. C'est vous l'homme qui a tué son père? Oui donc, Dieu m'assiste. Et vous feriez mieux, jeune homme, de venir voir ma petite maison à deux pas d'ici en la couille. Attendez demain matin, Christy. Attendez avant d'aller poser vos yeux sur son vieux toit percé qui prend la plume. Est-ce que je ne savais pas que j'étais beau gars? Monsieur! Vous avez pas vu un jeune gars passer par ici tôt ce matin ou hier soir au tombeau de la nuit? Pour un coup, c'est un coup. Qui vous l'a mis? Un voleur, peut-être bien. Mon propre fils qui l'a mis. Qu'est-ce qu'elle va dire, Peggy, quand elle saura cette histoire-là? Qu'est-ce qu'elle va me dire maintenant? Eh, quand même, il va finir par se faire ce qui s'appelle pincer. Pauvre fichu qu'il est! D'aligner trois mots, sans se vanter! Comment il a tué son père? Et le grand coup qu'il y avait avec la bêche? Le père. Le père moulu qui doit être pour maintenant.